Situé dans les profondeurs de Kam 4, un quartier populaire du premier arrondissement Lumumba, l'école publique 5 février 1979, qui regorge une école primaire et un collège, a mal à partir ces derniers temps avec les bébés noirs. Témoignage. Depuis presque 7 semaines, en tout cas on est envahi par des bébés noirs. Là. Les bébés noirs, c'est des jeunes garçons qui viennent en civil racketter des élèves. Ils ravissent l'argent, ils ravissent les téléphones. Et vraiment, vous avez vu vous-même, en tout cas, c'est difficile. Donc, restez ici, il faut que les surveillants généraux, et parfois nous prenons les bâtons, on est dans la cour pour protéger ces enfants-là. Parce qu'il y a la police parfois qui arrive en civil, ils tournent. Et même ce matin, il y a eu une BG qui circulait. Ouais, la police est informée. Donc, la hiérarchie est vraiment informée. Ça fait un mois de cela, nous sommes dans l'insécurité totale. Tous les jours, les bébés noirs sont ici. Pour nous tourmenter. Ils rentrent dans les classes, ils ravissent les téléphones, l'argent des élèves. Ils contrôlent les entrées et les sorties des élèves. Ici, nous sommes vraiment dans l'insécurité totale. Non, nous a envoyé le surveillant. Et ils ont surnommé le surveillant Sergent Fatigué. Il ne faut pas le surveillant là. Au portail ici, personne n'est là. Les enfants sont exposés aux bébés noirs. La police, on appelle la police. Parfois, la police n'arrive pas. Ils envoient parfois 2 éléments. Pour acquérir 10 éléments, vous envoyez seulement 2 policiers en civil. C'est pas normal. Dès qu'ils voient les voitures des policiers, ils sautent le mur. Nous sommes vraiment dans l'insécurité. On ne peut pas finir l'année comme ça. Ce phénomène de bébé noir qui défrait la chronique semble prendre du relief devant la précarité de notre dispositif sécuritaire. Autrement, comment justifier qu'en plein jour, ces bébés noirs fassent irruption dans une école publique, dans un quartier populaire, et ravissent les téléphones et l'argent des élèves? Des mesures conséquentes sont attendues des pouvoirs publics.